Donc on est lundi 12 février, nouveau vlog. Il est 11h15, je pense à mon zozo, Kenzo. Il est en CM2, vous savez. Et aujourd'hui, il y a la journée au collège. Il était content, j'espère que ça va bien se passer. Mon cœur, il n'y a pas de raison. Hein. Lui, tout va bien. Le temps est humide. C'est désagréable. Il pleut pas tout le temps, mais par moments, il pleut un peu. Mais l'humidité, ça vous transperce. Je viens d'aérer les paniers là, de Julie. Il y en a trois, vous savez, superposés. Celui du dessous, il est toujours, quand il fait humide, trempé. Le carrelage est tellement... Pourtant, c'est du carrelage, quoi. Le panier du dessous, il est noyé. Donc, je suis en train de les aérer. Voilà. sinon, ben, ce matin, je suis quand même allée faire un petit tour au parc de la Ronelle parce que j'avais rien de spécial à faire. Le temps était pas trop pourri et qu'il faut prendre l'air, ça fait du bien. Et j'ai même poussé un petit peu. Donc, comme d'habitude, je me suis garée au stade. Je suis allée un petit peu au parc de la Ronelle. Je vous ai mis quelques petites images. Et après, j'ai refait tout le tour par derrière, en fait. Au lieu de rentrer, pas de repartir directement à ma voiture, j'ai fait tout le tour. J'ai tout redescendu, puis j'ai tout remonté le stade. Bah, ça fait une petite trotte, une petite promenade. Ça fait prendre l'air. Attendez, je vous reprends juste après. Voilà. Désolée, c'était mon père. Donc, quand c'est mon père, je réponds, hein, mais rien de... Voilà. Donc, bah, ça fait du bien hein, de marcher un petit peu. J'ai une application sur mon téléphone, Running, qui dit le nombre de kilomètres qu'on fait. Je m'en servais beaucoup il y a quelques années. Et il met même le plan avec par où vous êtes passé et tout. J'aurais dû le mettre. Parce qu'après, bon, c'est toujours encourageant de savoir si on a fait 2, 3, 4, 5 kilomètres. La prochaine fois que je serai décidée à marcher et que le temps me le permettra. Ben, je le mettrai, puis je vous dirai combien j'ai fait. Voilà. Donc, petite promenade. Ensuite, je suis repassée à Lidl et à Carrefour. Mais je vous fais une vidéo exprès. Parce que je vais aussi aller au champ demain au mercredi. Donc, je ferai un retour de course. Donc, je ne vous le mets pas ici. Puis voilà, quoi. C'est tout. Petit tra-tra quotidien.
J'ai fait manger, bah ouais, il est déjà 11h20, donc j'ai fait manger Julie et Luigi déjà. Luigi a encore dû manger des cochonneries dehors parce qu'il a presque rien mangé de chez Croquette. Voilà. Après, je vais passer un petit coup de balai parce que je ne l'ai pas fait hier après que les enfants sont repartis. Puis écoutez, c'est tout, hein. Je vais pas dire je vais à l'Action parce que, enfin, si c'est pour me prendre la pluie, c'est pas la peine. Voilà. Parce que j'y vais pas pour, voilà, j'y vais pour faire un tour, mais là, fait tout gris. Voilà. Sinon, je voulais juste vous parler d'un petit truc comme ça, hein, c'est pas, il n'y a pas de polémique ou quoi. Parfois, je suis sceptique à certains commentaires. Comment dire? Il y a des gens, parfois, ils vont vous laisser un commentaire, allez, on va dire entre guillemets, assez désagréable. Et la fois suivante, ils vont être super gentils, super agréables et tout. Alors moi, c'est moi qui suis borderline à la base. C'est moi qui suis diagnostiquée borderline depuis très longtemps. Mais je pense qu'il y a des gens qui le sont un peu aussi, hein, quand même, hein. Et moi, je suis un peu perplexe par rapport à ces gens parce que je ne sais pas quoi, je sais pas comment prendre les choses. Oh, je pourrais simplement bloquer ou. Mais des fois, ces personnes, elles sont tellement gentilles en fait dans leurs commentaires. C'est pas du tout la même personne. Mais moi, après, j'ai plus trop envie de répondre parce que voilà, je sais que cette personne a été désagréable sur, par exemple, la vidéo d'avant. Donc pour l'instant, je réponds encore, bon, par politesse, quand c'est gentil, mais je sais pas, je comprends pas. Soit vous êtes gentil, soit vous êtes méchant, soit vous regardez pas, je sais pas, je comprends pas trop, j'arrive pas à cerner trop ce genre de personne. Voilà. Mais je voulais vous le dire. Pas grave, hein. Voilà, donc moi je vais vous laisser et à tout à l'heure ou à demain. On est toujours lundi, il est, je sais plus, midi et demi, je crois. Je suis quand même allée jusque Action, comme le temps est à peu près correct. Mais j'ai pas pris grand-chose, hein. Je vous montre ici, comme ça. Alors regardez, j'ai repris ça pour Mia. Je vous ai montré, je leur ai donné ce week-end. Mais celui de Mia, il a cassé. Bah ouais, et en plus, c'est elle qui s'est éclatée le plus à le faire. Donc je lui en ai repris un. Bon, je vais pas racheter toutes les semaines, mais 99 centimes. Elle sera contente parce qu'elle a été déçue. Et j'ai pris des cotons démaquillants. Ah bon, il va voler. Voilà. Parce qu'en fait, d'habitude, je prends les pousses de Auchan, mais la qualité, elle n'y est plus. Enfin, après, c'est du moins cher, hein, mais les machins, ils se décomposaient tout seuls, quoi. Donc j'ai pris à Action pour tester. Et j'ai payé 59 centimes. Voilà. Donc bon après-midi et à demain. Julie, elle creuse. Vous voyez? Même avec trois pattes, elle creuse. Regardez. C'est fou, hein? On est mardi 13 février. Il est 13h10 déjà. J'ai un coup de fatigue là. Je sais pas si je vais pas attraper une migraine encore. J'ai l'habitude. Voilà. Ce matin, je suis allée faire mes courses au Grand Auchan. Donc, je viens juste de vous publier la vidéo. Désolée s'il y a eu un petit bug. Peut-être des gens avaient commencé à la regarder, j'ai dû la supprimer, la remettre en ligne, parce qu'en fait, bah ça y est, YouTube a accepté, voilà, pour prochainement la monétisation. Mais c'est différent en fait. Je vous ai déjà dit, moi j'y connais pas trop grand-chose et je sais pas, j'ai bugué en fait. Mais bon, je vous l'ai remis en ligne, c'est le principal. Voilà. Sinon, donc je suis allée au Grand Auchan et après je suis repassée à Noz. Parce qu'en fait, Noz, c'est quasiment sur la route en revenant d'Auchan. Donc, tant qu'à faire, hein,
Oh, j'ai pas trouvé grand-chose. Des fois, il y a des bonnes affaires dans les surgelés. Mais là, il n'y avait rien. Du asiatique, c'est pas mon truc. Du vegan, c'est pas mon truc. Et beaucoup de glace, c'est pas mon truc. Voilà. J'ai trouvé trois petites affaires. Alors, j'ai pris le ticket, mais en fait, ça sert à rien parce que c'est écrit dessus. J'ai trouvé ça pour Mio. Franchement, j'ai craqué dessus. Regardez. Un leggings bien rose avec plein d'étoiles brillantes. Il est trop beau. Franchement. Alors, c'est du 150, mais moi, j'y connais pas trop. Donc, j'ai regardé sur Internet. Et 150, ça équivaut à 11-12 ans. C'est parfait pour elle parce qu'elle est costaud, hein, quand même. Je l'ai trouvé magnifique. Et avec, il y a un petit chouchou. Bon, ça, je sais pas si ça tiendra dans ses cheveux, comme elle a les cheveux très fins. Et ses matières, vous voyez, polyester. 95% polyester fibre, 5% spandex. Vous voyez, c'est des matières bien, bien élastiques, là, c'est doux. Voilà. Donc, elle va être toute belle avec ça. Et j'ai payé que 2,99. Donc, je l'ai pris. J'ai vraiment craqué. J'ai trois choses, hein. J'ai trouvé de la maillot. Oui, hein. Pour changer un petit peu de la discount. Amora maillot blanche. 450 ml. 99 centimes. Voilà. Donc, j'ai pas encore mangé. C'est peut-être aussi pour ça que je suis pas bien. Donc, je vais m'en prendre après. Je vais manger là. Enfin, je vais manger après. Un peu. Et pour terminer, hein, ça n'a rien d'acheter si on n'a pas besoin. Hein. J'ai vu ça, un sambon pour la voiture. Voilà. Choupa Choups à la vanille. On le sent, il y a un testeur. Je le mettrai demain. Ou tout à l'heure. Oh, demain plutôt. Vous voyez, c'est à clipser, c'est bien. Vous clipsez, vous n'êtes pas embêté. Et pareil, 99 centimes. Donc, voilà quoi. J'aurais peut-être même dû en prendre la deuxième pour mon père. Voilà. C'est tout. Et c'est bien suffisant. Mais c'est des bonnes petites affaires. Donc voilà. Je ne sais plus ce que je voulais vous dire du coup. Je voulais parler un petit peu, mais là, Donc tant pis, hein, si ça me revient. Voilà. Ouais, bah, ça change beaucoup avec la monétisation. Bon, après, je vous préviens, je suis pas là d'être payée. Et encore, je suis pas sûre d'avoir fait correctement. Bon, sinon, je demanderai à des collègues. Si je suis payée, ça sera dans 2 mois, au moins, en fait. Parce que, il faut sur un mois à partir d'aujourd'hui. Et après, on est payé un mois après. Donc, si tout se passe comme prévu, j'aurai un petit quelque chose mi-avril, quoi. Voilà. Mais bon, ça avance tout doucement. Donc là, après, bah, je pense que je vais me préparer des pommes de terre. Je ne les ai pas fait hier parce que j'ai mangé un croque. Je n'avais pas envie de m'embêter. Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire. Hier après-midi, j'étais pas bien. Enfin, d'après-midi, j'ai rattrapé des angoisses, là. Bah oui, on est lundi, hein. Enfin, on était lundi, mardi, début de semaine, c'est toujours compliqué, hein, parce que bon, je sais qu'il y a encore pas mal de temps avant que les enfants reviennent, vendredi. Ah, j'étais pas bien hier en fin d'après-midi. Mais bon, là, ça peut aller. Mais je vous dis, je sais pas si je vais pas attraper une migraine. Voilà. Donc, je vais éplucher et faire cuire mes pommes de terre. Et éventuellement, ce soir, je vous montrerai ma petite assiette. Ah, voilà. Bon, je vous laisse et des gros bisous. Qu'est-ce que tu veux, ma chérie? Qu'est-ce que tu veux, mon amour? Hein? Bah oui, t'es belle. Bah oui. Je voulais vous montrer ma petite. J'essaie de pas marcher dans le caca, j'ai pas ramassé les crottes. Ma petite jonquille qui revient tous les ans. J'en ai qu'une hein, dans le jardin. Et tous les ans, elle revient. Et là, elle commence à. Enfin, je crois que c'est une jonquille, hein, je pense, ouais. Et là, elle commence à pousser. Donc, espérons bientôt bah, le printemps. Hein. Allez, bon après-midi. Attendez.
À demain. Bisous. Oh la tête. Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Bisous. Re. On est toujours mardi. Il est 8h05. Bon, j'ai pas faim, mais bon, écoutez, j'aurais jamais mangé tout ça. J'ai fait cuire des pommes de terre. J'ai mis de la ratatouille, deux saucisses et normalement en dessert, une petite moitié de... Je sais plus comment ça s'appelle. De éclair à la vanille. Voilà. Non, j'ai pas faim. En fait, j'ai dû prendre un Relpax. Et en plus, Kenzo, il s'est un peu blessé à l'école. Bon, rien de grave, hein, normalement. Je vous dirai demain. Mais ça devrait aller. Donc, je suis un petit peu contrariée. Mais bon, allez. Bon app et à demain. Coucou. À la tête. On est mercredi 14 février. Il va être 10h moins le quart. Il pleut. C'est agréable. Ça donne envie. Bon. Sinon, tout doucement. Hein. Tout doucement. Je tousse un peu. Hier, j'étais encore pas bien. Donc, avec le Relpax, hein, pour ceux qui viennent d'arriver, c'est un médicament pour les migraines. Donc, c'est très efficace, mais c'est très fort. Voilà. Et puis, Kenzo, qui est tombé hier à l'école, ça va, hein, ça va. Mais, voilà, c'était pas top. Donc, je suis une maman qui s'inquiète beaucoup, hein. Mais ça va, vous inquiétez pas, il va très bien. Voilà. Du coup, j'ai mal dormi. Cette nuit, j'ai fait des cauchemars. Encore. Je vous les raconterai pas, c'est plus personnel, hein, mais bon. Et du coup, je me suis levée à 8h moins le quart. C'est rare. Mais bon, c'est pas comme si j'avais quelque chose à faire. Voilà. Donc, pas de parc de la Ronelle, hein, vu le temps. Voilà. Je suis à la Carrefour. Ah ouais, du coup, hier, j'ai mangé la moitié, en fait. Je vous ai montré ma petite assiette, j'ai mangé la moitié. Et ma moitié de éclair. Voilà. Ce qui est déjà pas mal. Je suis à la Carrefour. Je suis contente. Au moins, une bonne chose. Hier, j'avais eu le prospectus. Et j'ai vu une offre super intéressante. Regardez. Alors, la montre connectée Bluetooth... plus les écouteurs sans fil. Oh, vous allez voir. Voilà, là. 20 euros au lieu de 60. Franchement. Alors, normalement, la montre seule, elle est à 40 euros et les écouteurs seuls à 20 euros. Donc, ce matin, j'ai foncé. Hein. C'était à partir d'hier. Mais moi, le prospectus, je l'ai reçu hier après-midi. Et je me suis dit, il faut trop que je l'achète pour faire un cadeau à Mathieu. Voilà. Bon, non, moi, j'ai pas besoin. Et quand je me suis dit, pour 20 euros, j'ai envie de lui acheter. J'espère qu'il y en aura. Parce que des fois, des trucs comme ça, dès le lendemain, il n'y en a plus. Après, c'est pas écrit quantité limitée. Hein. Et j'ai trouvé. Donc, je suis trop contente. Donc, je vais lui offrir tout à l'heure. Je vais pas attendre son anniversaire. Hein. Son anniversaire, c'est le 26 décembre. Hein. Et je vais voir, parce que j'aurais bien pris deux lots. J'aurais vraiment aimé prendre deux lots. 40 euros pour deux fois ça. Mais là, c'est vraiment pas possible. Parce que j'en aurais pris un pour l'anniversaire de Kenzo. Kenzo, c'est le 11 juillet. Et il va avoir son premier téléphone. Vu que après il va aller en 6e. Et j'aurais trop aimé lui offrir ça, en fait. Son père va lui offrir son téléphone. Et moi, je lui aurais offert ça. Mais c'est jusqu'au 26. Donc, si j'attends pour mon découvert, oui, pas de jugement, s'il vous plaît, merci. Aux alentours du 22, je lui en prendrai, mais lui, je le garderai pour son anniversaire, bien évidemment, parce que de toute manière, il n'y a pas de téléphone. On verra s'il y en a encore. Voilà. Donc, je vais vous les montrer. J'espère que Mathieu va être content. Bah, après, il aime bien tout ça. Donc, en plus, il commence un régime. Donc, voilà.
Moi, j'y connais rien. Podomètre, rythme du cœur, la nuit, calories, distance. Enfin, ça m'a l'air bien sympa. Et là, j'y connais encore plus rien. Voilà, des écouteurs sans fil. Compatible Android, iOS. Bon, écoutez, voilà. Donc, cet après-midi, je dois garder Tom. Je vais lui offrir et je suis trop contente. Mais j'espère trop qu'il y en aura encore après le 22. Kenzo, il a ça pour son anniversaire, il est heureux, hein. On verra. Voilà, donc une bonne chose. Trop contente. Et j'ai juste pris une petite boîte de carottes pour Julie, Simply, 65 centimes. Et j'ai retrouvé, il en restait un. Alors je l'ai pris, vous vous souvenez, la semaine dernière? Anti-gaspi à 30 centimes, les trois biscuits. 30 centimes, quoi. Et je leur en ai donné à chacun ce week-end, ils ont bien aimé. Donc, c'est tout. Et c'est suffisant. Voilà. Bah après, écoutez, je ne sais pas. Par un beau temps pareil, ça donne pas envie, hein. Peut-être je ferai les poussières. Puis je regarderai des petites vidéos. Voilà. Bon, ben je vous laisse et à tout à l'heure ou à demain. Il pleut, il pleut, il pleut. Bonjour Totem, en passant. Il pleut. Coucou. On est jeudi 15 février. Il va être 10 h. Je me suis réveillée ce matin avec une migraine atroce. Non, mais je vous le dis, hein, ça s'arrêtera jamais. Quand c'est pas une chose, c'est une autre. Là, les gencives, ça va un peu mieux. Maintenant, c'est les migraines qui reviennent. Pouf. Voilà. Alors, vers 6 h 30, j'ai pris un Relpax. Il n'a pas fonctionné. J'avais mal, ça passait pas. Ah, je savais pas quoi faire, franchement. J'étais même pas, j'ai été jusqu'au Carrefour, mais j'étais même pas sûre de réussir à y aller. Et je me suis assise dans le clic-clac, c'est rare. J'ai fermé mes yeux. J'ai caressé Juju. Elle était contente, hein, il n'y a pas de souci. Hein. Quand elle me voit m'asseoir, c'est rare, alors voilà. Elle me jetait sa patte dès que j'arrêtais de la caresser. J'avais même mis, ne sachant plus quoi faire, une musique relaxante sur YouTube. C'est écrit, je sais plus, musique relaxante contre la migraine. Rien à y faire. J'étais à deux doigts de reprendre un Relpax, parce que j'ai le droit d'en reprendre un 2 heures après, mais faut mieux éviter. Et ça a commencé à disparaître. Donc là, ça va un peu mieux. Voilà. Donc du coup, je suis quand même allée jusque Carrefour. J'étais pas obligée d'y aller aujourd'hui, hein. Ça pouvait attendre demain, hein. Mais c'est pour dire de sortir un minimum. Parce que rester enfermée, bon, Julie, elle a fait son tour, même malade, je lui fais toujours son tour le matin. Mais je veux dire, c'est dur. Si je dois rester enfermée 24 heures sur 24, c'est compliqué. Voilà. C'est ma seule interaction avec le monde extérieur, on va dire. Donc j'en ai profité, je suis allée chercher mes renouvellements de médicaments à la pharmacie. Je vous les montre plus, hein, c'est toujours les mêmes. Et à Carrefour, j'ai pris ce qui me manquait pour ce week-end. Donc j'ai repris du pain de mie, comme d'habitude. Pain de mie, c'est moins cher. 18 tranches à 1,29 €. J'ai pris, comme j'avais dit, j'ai repris un petit filet de pommes de terre Simply à 99 centimes. Excusez-moi. Voilà, bon, elles sont. Voilà, mais bon, pour ce week-end, ça fera l'affaire. Je sais pas, elles sont bizarres. Moi, je m'en suis fait, mais. Bah, à l'eau, j'ai fait en cube et. Quand vous mettez votre fourchette dedans, elle se casse. Bon, pour dépanner, quoi, mais bon, c'est pas top top. Et j'ai repris 2 boîtes de tomates cerises. Je vous dirai pourquoi 2 après. Voilà. Donc, c'est les boîtes à 99 centimes. Il y a 250 grammes. Voilà. C'est tout pour les petites courses.
Alors, qu'est-ce que je voulais vous parler? Ouais. De ça, que je vous ai montré hier, toute contente. Voilà. Là, la montre et les écouteurs. C'est pas cher, hein? Mais c'est du caca. Faut pas acheter. Non. Hier, je vous disais c'est super. Et heureusement encore que j'ai pas pu en prendre deux parce que je voulais en prendre à l'eau pour Kenzo. Non. Mon père, je les ai offerts à Mathieu hier. Mon père va me les ramener cet après-midi et moi je vais aller me faire rembourser demain à Carrefour. Hein. Écoutez, alors Mathieu y a essayé. Alors déjà la montre, il n'y a pas le chargeur. Voilà, c'est même pas précisé sur la boîte, mais il n'y a pas le chargeur avec. Et en plus, il me disait c'est un chargeur. Je dis bah tu peux pas en acheter à Action. Il me dit non, c'est un chargeur bizarre. À mon avis, faut l'acheter. Pour ça, il n'y a que la montre. Et les écouteurs, bah déjà, il n'aime pas trop parce que lui, il préfère les casques. Et en plus, il les a quand même essayés. Il m'a dit que la qualité, voilà quoi. Donc, super affaire, hein. J'étais toute contente. Et hier, mon père, il me dit, bon, tu vas être déçu parce que bah, tu pourras les ramener. Voilà. Alors moi, ouais, je suis déçue parce qu'en fait, voilà, c'est, j'ai fait un beau cadeau pour Mathieu. Donc moi j'étais déçue pour lui. Mais c'est moi la plus déçue en fait. Parce que Mathieu, il m'a dit, et ça c'est vraiment énorme. Il m'a dit, mais c'est pas grave. Il me dit, c'est le geste qui compte. Le fait, voilà, le geste que tu as voulu m'offrir quelque chose. Et ils vont pas, c'est pas grave du tout. Voilà, et c'est énorme pour moi. Ouais. Parce que malgré tout, bah, Mathieu, 18 ans, il est très mature. Malgré tout ce qu'il a pu vivre dans son enfance, bah, je trouve que c'est vraiment un enfant exceptionnel. Mais on ne peut pas refaire le passé, malheureusement. Alors je lui dis, ben, quand j'aurai plus de sous, ou au pire pour Noël, je t'achèterai une montre connectée, mais une bonne, vraiment une meilleure qualité. Non, il m'a dit, garde tes sous, c'est pas la peine. Voilà. Donc demain. Eh ben, je vais aller leur ramener ça à Carrefour. Voilà. Du coup, c'est pour ça que j'ai pris deux boîtes. Je vais prendre une petite boîte de tomates cerises. Parce qu'en plus, il fait vraiment régime. Hein. Hier, j'ai donné l'éclair, là, l'éclair à la vanille, qui était très bon d'ailleurs. Je leur avais coupé la moitié chacun. Ben, en fin de compte, c'est mon père qui a tout mangé. Parce qu'il veut vraiment suivre son régime, Mathieu. Donc là, je lui ai pris ça. Et quand je pourrais, ben, je lui achèterai plus des fruits. Il aime bien les fruits. Je lui achèterai plusieurs sortes de fruits. Voilà, pour son régime. Donc, mauvaise affaire. Bon, j'espère qu'ils ne vont pas faire des chichis pour me le reprendre. Hein. Voilà, demain. Parce que mon père, il va me les ramener vers 3 h. Et vers 3 h, je ne bouge plus. Voilà, sinon, bah écoutez, c'est tout. C'est bête parce que le temps, il pleut pas aujourd'hui. C'est dommage, hein. Hier soir, je m'étais dit, demain matin, j'irai faire un tour au parc de la Ronelle. Mais non, 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 j'aurais pas su. J'étais trop en mauvais état ce matin. Voilà. Bah après, je vais faire manger Julie. Elle a vomi cette nuit, tiens. Ouais. Je sais pas pourquoi. Bah, elle mange souvent de l'herbe en ce moment dans le jardin. Ah oui, et ce matin, bah après, là, quand ma migraine, elle commençait à passer. Je me suis dit, je vais me préparer ma boîte de thon pour ce midi ou. Et donc j'ai goûté. J'ai pas donné du coup le jus à Julie parce qu'on m'a dit que c'était mauvais, c'était plein de sel. Donc j'ai jeté le jus. Donc j'ai fait ma boîte de thon, hein, comme je vous avais dit. J'ai les miettes, je mets de la mayonnaise, un peu de poivre, un peu d'ail en poudre. Et ça m'a donné envie. À 9 h du matin, j'ai mangé 2 cuillères de thon. C'est rare, hein, moi qui suis pas très gourmande. Mais là, j'en avais trop envie. J'aurais même pu en manger plus. Mais je me suis dit, non, attends ce midi, quoi. Voilà. Sinon, les petits repas prévus pour ce week-end, je vais vous les donner tout de suite, du coup. Donc, vendredi, bah, je vous en avais déjà parlé, mais bon, c'est pas grave. Vendredi soir, je vais faire des spaghettis avec une sauce, une boîte de boulettes sauce au poivron. Samedi soir, je vais faire la petite raclette, là, à ma façon, comme je vous ai dit. Samedi midi, c'est les sandwichs. Et dimanche midi, c'est vrai qu'en ce moment, je ne sais jamais ce que je vais faire pour le dimanche midi. J'ai ce qu'il faut. Vous verrez dans les petites assiettes. Hein. Voilà.
Sinon, du fait, je pense. J'espère que j'ai rien oublié de vous dire. Je ne pense pas. Je vais clôturer le vlog ici parce qu'il va faire une bonne demi-heure. Donc, c'est mieux, hein? Une demi-heure, c'est bien. Pour moi. Donc, je vous reprendrai dès demain matin pour le vlog week-end. Hein? Sauf qu'au lieu de commencer le soir, il commencera le matin. C'est pas un souci. Non. Et n'hésitez pas à vous abonner. On va pas s'arrêter à 1026, hein? Ça serait dommage. Donc n'hésitez pas à aimer, à commenter. Toujours un grand plaisir de lire vos commentaires et d'y répondre. Je vais vous la publier tout à l'heure. Donc je vous souhaite une bonne après-midi, un bon week-end d'avance. Plein de gros bisous et à très vite. Pour ma part, à demain.